Salut les barbus et bienvenue sur ce mini-épisode où aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de me réintroduire et de me réentraîner à faire de la soudure avec un poste à souder à stick. J'avais fait au TIG avec l'ami Marco et quand j'étais à la campagne, je soudais avec un poste que j'ai ramené il y a de ça quelques jours, quelques semaines. En même temps que j'ai ramené mon compresseur, j'ai aussi ramené mon poste à souder. C'est un poste à souder tout ce qu'il y a de plus basique. Et pour cet exercice, je vais utiliser du profilé carré qui est de 20 par 20 en 1,5 mm d'épaisseur. Et j'utilise les disques que l'ami Marco m'a filé pour découper deux morceaux pour essayer de faire un élément à 90 degrés. Alors, il n'est pas vraiment à 90 degrés, puisque ma découpe est complètement cradoc, mais le but est juste de faire un petit exercice pour se remettre un peu la main à la soudure. Le poste, c'est un poste complètement standard, vraiment basique, et les tiges que j'utilise, c'est des tiges 2 mm, qui sont faites justement pour du profilé entre 1,5 à 2 mm. Le but ici aussi il est justement de retrouver un peu les différents réglages, de retrouver un peu la mécanique et de commencer à se remettre à souder puisque dans un prochain épisode je vais avoir besoin de souder pas mal de petits trucs. J'ai fait un début de soudure, je vais grinder un peu tout ça pour essayer de voir si mes soudures sont de qualité ou si c'est vraiment des soudures de merde. Il n'y a pas de spoiler, c'est des soudures de merde. Et il a fallu que je m'y reprenne à plusieurs fois, et encore, c'est pas génial. Mais c'est le but. Le but, justement, c'est de s'entraîner, de se remettre la main dessus, de continuer, dans les jours qui viennent, à régulièrement faire un petit peu de soudure, essayer de trouver le réglage idéal de mon poste, et de pouvoir, dans les prochains jours, être capable de faire des soudures qui soient beaucoup moins cradoc que celles que j'ai fait maintenant. Je vais finir un tout petit peu avec un des autres disques à flap que l'ami Marco m'avait filé pour nettoyer un peu tout ça et regarder le résultat qui est moyen en fait. Il y a des trous, c'est pas bien fait, mais bon, on va s'améliorer. Voilà, c'est tout pour cet épisode, à très bientôt, que la barbitude soit avec vous et à bientôt.